Je sais pas si c'est parce que c'est sur émulateur, mais quand même les temps de chargement sont pas très longs, hein. Après, en même temps, plus ça va niveau jeux vidéo et plus les temps de chargement sont longs. On a des machines plus rapides, mais on a encore plus de jeux à charger. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même un gros défaut de ces dernières années. Comment? Les jeux sont vraiment de plus en plus lourds. Et à côté de ça, je trouve que les machines ne suivent pas forcément en fait. J'ai l'impression que le jeu vidéo avance plus vite que le support sur lequel il fonctionne. Si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être moi qui ai juste une impression bizarre, mais je sais pas. Allez, plonge! Avant de te faire attraper le cul. Salut, jeune dragon! Allez, c'est parti. Je sais plus du tout comment ça fonctionne. Tes amis les tortues feraient une soupe délicieuse si j'arrivais à les attraper. Essaie de les sauver si tu veux, mais je suis vraiment affamé. Je crois qu'il faut juste leur souffler dessus quand ils s'approchent du pot. Peut-être les orienter vers l'eau. Non! Miam miam! Non, 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 fous-moi le camp. Mais soyez pas con. Comme ça, tu as sauvé quelques tortues. Mais il y en a davantage par là-bas. Tiens, prends cette boule et va-t'en. Si tu te rapproches légèrement du chaudron, j'agiterai la sonnette une nouvelle fois. Bah donc la difficulté 5. Non, 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 non. Foutez-moi le camp. Non. Et dégagez. Mais c'est pas possible. Les tortues suicidaires. Les tortues suicidaires. Non. Oh là 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 là, quoi. Miam, miam. Miam, miam, je suis bouffé du poulet, moi, tu vas voir ce midi. Y'a rien, quelle heure? On s'approche de midi, quand même, hein. Voilà, déjà ça te fait. Toi, on va plutôt par là. Plus simple à gérer, je vois mieux ce qui s'y passe. Ouh, ce bug. Comment je l'ai propulsé? Allez, 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 allez. Foutez-moi le camp. Allez, pchit.
Attends, t'es bien parti. C'est pas vrai, foutez-moi le camp. Non, 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 non. Non, non. Non, 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 non. Je déteste ce genre d'épreuves. C'est vraiment celles qui m'énervent le plus. Elles sont super chaudes. Il y en aura une autre un peu plus tard avec des œufs de dragon ou je sais pas quoi qui veulent bouffer des jeux de dinosaures qui éclosent et qui veulent bouffer des œufs préhistoriques. Il va falloir les sauver un peu de la même façon. Wouh ! Ah, mais c'est génial ça ! Eh, ben fallait lire avant ! Alors, avec le bon angle, allez, fous-moi le camp. Allez, toi aussi. Toi aussi. Ouh, c'est du hockey sur glace, en fait. Tiens, boum. Allez, fous-moi le camp. Allez, hop là. Fallait le dire, ça. Ah, c'est tout seul, maintenant. Allez, boum. Et boum. Ah, tu vas où, toi? Allez, à la flotte. Où se tire? Ça me rappelle un peu le air hockey, là, les machins dans les salles d'arcade et tout. Alors ça, c'est mon rêve, vraiment, avoir une table de air hockey. Qu'est-ce que ça serait la classe? Non, merde, j'ai raté. Non, tu fous le camp. Toi aussi. Chut. Tiens d'ailleurs, hop là. Lol. Ah, j'ai raté mon coup. Non, l'autre. Trou du cul. Non. Non, c'est le dernier. Non. Je vais pleurer. Miam, miam, je... Alors, empêche pas, tant que j'ai la technique, ça va aller beaucoup mieux. Bon. Allez, hop. Merde, mauvais rebond. Alors, je peux rentrer dans la marmite, mais ça ne sert à rien. En plus, en rentrant dedans, en y allant un peu au petit bonheur la chance, il y a moyen que ça passe. Et que le rebond. Allez hop. Moi le camp, toi aussi. Non, non. C'était ridicule. Ah, et le truc c'est que les flammes, j'ai pas de recovery. Avec le... La charge. Il y a quand même un temps pendant lequel Spyro est un peu... Un peu dans le vague. Donc c'est pas simple de gérer. Fous-moi le camp. Zut! Tu as sauvé toutes les tortues de la plage. C'est pour toi. Je voulais m'en servir pour acheter des pommes de terre, mais c'est inutile maintenant. Oh, les bonnes pommes de terre! Par contre, j'ai pas terminé le niveau. Ah bah oui, évidemment. Il y a quelques petits joyaux cachés ici. Je sais bien qu'il doit y avoir un truc du style. J'ai pas encore tout. Si je saute dedans. Je ne peux pas.
les murs invisibles. Alors. Si j'étais des joyaux bien planqués, où est-ce que je serais? Certainement un endroit auquel je pourrais pas penser. Du coup, c'est pas pratique. Aïe. Je crois que même au cours de ma première partie, il y avait aussi un petit endroit un peu planqué. Est-ce qu'on va peut-être voir? Est-ce que ça serait pas ici en fait que j'aurais oublié des joyaux? Merci, je... Tu m'as déjà donné. Ah, parce que je pourrais faire vraiment tout le niveau comme ça si je veux, quoi. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi j'ai encore un symbole vert là? Je peux encore le faire? T'es sérieux? Oui, c'est ça. Charrie un chef affamé. Que vais-je donc servir à dîner à mes invités? Ah, écoute, je suis sûr que si tu vas au super YouTube coin, t'auras du super pâté, hein. Je fais pas chier. Ah, est-ce que ça serait pas derrière la porte en fait? Non, ça a pas l'air. Peut-être qu'il y a un saut de la foi à faire dans le coin. A priori non. Ça se trouve c'est vraiment un endroit tout con, genre derrière une porte, hein. Parce qu'il me manque bien encore des choses là. Il me manque 5 joyaux, donc ça doit être un petit joyau violet qui zone dans un coin. Ah bah il est là. C'était aussi bête que ça. Bon, on se casse. Plouf. C'est un peu con le Spyro là. Ça va pas. Oui, bah allez, on peut. En plus, au cours de cette session qu'on a vu, donc ouais, ça va, quoi. On va éviter de se le retaper 10 000 fois. Retour à Forêt d'été. Ok, donc soirée d'été, on en est où là? Donc il resterait juste le circuit marin. Il manque quoi au circuit marin? Il manque une boule. Donc effectivement, il y a un truc à faire. Je savais bien qu'il y avait des boules à choper dans ces machins-là. Bon. On est reparti pour le circuit marin. Hein? Pas le circuit. Les circuits, c'est méchant. Alors, ouais.
Ah, mais je pense qu'il faut que je trouve en fait la zone où est cachée la boule. Elle doit être cachée quelque part dans le niveau et la seule chose c'est qu'il faut que je la trouve. Alors si j'étais... une boule cachée. Je la mettrais où? Quelque part par là peut-être? Non. Non! Ah. Mais je pense que j'ai la bonne idée. Ça doit être... elle doit être en fait cachée quelque part. La question, c'est où? Non, 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 tu tombes pas. Peut-être dans le public? Il y a des dauphins et tout. C'est la fête. Si j'étais une bouboule, où est-ce que je me cacherais? Voilà, oui, fais pas n'importe quoi, s'il te plaît. Ah non, faut faire un record de temps. Oui, le temps n'est pas en train de descendre, il augmente en fait. Ça doit être ça. Ça doit être ça. On y retourne. Après, si ça se trouve, le circuit qui... enfin, le chemin qui permettait d'avoir le plus de temps à la fin de la partie est pas forcément le plus rapide, en fait. Donc, ça se trouve, je fais... Non! Ça se trouve, faut pas que j'enchaîne avec les voitures, du coup. J'aimerais bien avoir un objectif de temps, quand même, du coup. En plus, si ça se trouve, ce que je fais, c'est pas ça du tout. Hein. C'est effectivement, il y a une boule planquée dans un coin, il faut que je la trouve. Non! Je suis mauvais, je suis très mauvais. Merde, je peux emporter à côté de moi pour vérifier. Ah si, il est là. Regardez ça vite fait, juste pour être sûr. Profitons des joies de la technologie, hein, après tout. Alors, Spyro 2... Circuit... Oui, circuit avec un R, pas avec un E. Circuit marin... Comment voir les boules dans les circuits? Pour chaque circuit, il faut relever le défi. Oh putain, le langage qui coule, elle. Circuit marin, quand tu as réussi, le circuit va dans les gradins et part à la sirène, relève son défi et tu auras la boule. D'accord. Donc en fait, il y a quand même quelque chose à trouver. Elle? Tu dois te sentir vraiment fort à présent. Voyons donc si tu es de taille à affronter notre champion. On va voir ça. Spyro, voici le champion en titre. Pour gagner la course, tu dois traverser tous les anneaux.
Attention, si le chasseur passe dans un anneau en premier, l'anneau commence à rétrécir. Suivre le chasseur à travers les anneaux. Tu fais le T4. Ah d'accord, c'est... Oui. Ah d'accord, mais il y a des anneaux qui sont posés au pif et c'est à moi d'y aller, quoi. Ce n'est pas aussi facile que tu le pensais, hein. Spiro ? Chasseur avec des ailes, quoi. On dirait un peu un drac au feu, d'ailleurs, avec le code couleur. Alors, ensuite à droite, j'imagine. Non, c'est pas ça. Ah, faut que j'apprenne son chemin. Ce n'est pas aussi facile. Spiro. Le truc, c'est que j'ai tendance à le rattraper, donc du coup, je vois pas où il va. S'il va tout droit... Ouais, il va où, lui? C'est ça qui a l'outre. Ah. Bandier. Ok, ce n'est pas aussi facile. Ouais, s'il te plaît, le circuit il est carrément clarabiscoté et bitouillé là. Oh. Ah, c'est... Ah... Là, c'est le tournant vers l'inconnu. Je crois que j'ai jamais fait ça dans le premier jeu. Ça me dit rien du tout. Dans la première partie. Alors, on va le prendre un peu plus large. Voilà, ça tout seul. Attends, tu vas où? Ce n'est pas aussi facile. Allez, on va y arriver. Je commence à bien apprendre le début. Là on le prend large parce que sinon ça passe pas bien. Alors là par contre il me fait une remontée éclair de merde. Par où? Par là, oui. Vol. Vol, te dis-je. Triple con. Ce n'est pas aussi facile. Spiro. Ouais, faudrait aussi que j'essaie de le prendre plus large. Sans globalement, au début, ça se rétrécit quasiment pas, ces anneaux. J'ai tout à fait le temps de réussir à passer dedans. Ouais. Je crois par contre des souvenirs que j'avais pu voir du 1 de Spiro. Eh merde! Ce n'est pas aussi facile. Mmh.
De ce que j'ai pu voir du 1, il me semble qu'effectivement, il y avait peut-être quand même un truc de défi comme ça. Encore une fois, j'ai pas fait le 1. J'en ai juste vu quelques vidéos. Il me semble qu'il y avait une connerie comme ça, ou pareil, il y avait un mec à affronter. Ah, c'est ça, c'est mieux en le prenant large. Ensuite... Ah, c'est l'inconnu! Et l'inconnu! C'est le pif! Surtout qu'il y en a vraiment des qui sont très rapprochés. On sait pas trop dans lequel il veut aller. Bien joué, Spiro. Excellent parcours. Merci, merci. Parfait. Allez, on se casse. Et comme ça, la forêt d'été est faite à 100%. Et ça, c'est beau. Ah, pourquoi est-ce que Spark est bleu? J'ai pris des dégâts? À quelle occasion? Comme ça, c'est fait. On vérifie quand même dans le carnet magique. Monde 1, tout 100%. Merveilleux! Merveilleux, merveilleux! Alors, plein automne, oui. Et voilà. Ah, il nous fait popper là. C'est vrai que c'est plus appréciable. Sauf qu'il y a des putains de marches. Oh la vache, les marches quoi. L'horreur. Ah, il y a des choses là-bas, oui. J'ai pas été du coup. Petit joyau, ici. J'aimerais pouvoir te laisser entrer dans ce circuit gratuitement. Vraiment. Mais le règlement est strict. Tu dois payer. Sans joyau, sans problème. Tu as fait le bon choix. Je parie qu'un dragon rapide comme toi gagnera vite de l'argent. Circuit de glace. Bon, juste du coup, il y a une bouboule et des joyaux que j'ai pas encore trouvé. Comment ça se fait? Peut-être un autre mur fissuré que j'ai raté. Ouais, au pire c'est pas très très grave. Et je regarderai peut-être ça quand même sur le net pour dire de pas trop chercher pendant 10 000 ans. Donc ça se trouve il y a quelques trucs derrière. Non. Ouais, rien de caché, étonnant. Qu'est-ce que j'ai? Oui, je regarderai un peu sur le net quand même pour trouver directos. Évitez de vous infliger pendant 10 000 ans, moi en train de tourner, en train de me demander mais où est-ce qu'elle est cette footballe? Tout ça, tout ça. Ponk. Je me demande bien quand même où est-ce que ça pourrait être. Ponk, ponk. Bref, attendez, du coup ça veut dire qu'il y a deux circuits dans cette zone? Ça c'était le circuit métro. Circuit métro, ouais. Ouais d'accord, bon. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Génial. Bon, allez.
Donc, moi je vous dis à plus au monde, mangez les pommes, veillez les, portez-vous bien. J'espère que ces vidéos vous auront plu. On va continuer le jeu, parce que de toute façon, on doit pas être bien loin de l'avoir fini, quand même, du coup. On en est où? Ah, 37%, oui, c'est vrai qu'on... ça avance bien. Donc ouais, on... peut-être encore deux sessions, c'est bon, c'est réglé. Je vais peut-être même tout enregistrer avant de vous l'envoyer. Pour information, là, actuellement, on est le 26 février 2016. Je pense que vous aurez ces vidéos beaucoup plus tard. Surtout celle-là, actuellement. Mais voilà, voilà. Hop là. Donc oui, en tout cas, si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne à grandir, et ça motive à continuer les vidéos. Sinon, à part ceci, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire à cet escient, c'est là pour ça. Allez, salut !